Nous sommes arrivés ici en 1956. Et là, ce qui maintenant est l'autoroute, c'était un terrain vague. Et il y a l'église, le plus près de l'église, il y avait des vaches. D'accord. Qui étaient là. J'envoyais mes enfants, j'allais avec le pot du lait, là, ils allaient me chercher du lait. On avait l'impression d'être un peu à la campagne. Mais ça a changé depuis. Pas beaucoup d'âme. Oui, ça a beaucoup changé. Il y avait plus de relations que ce qu'il y a à l'heure actuelle. Que ce qu'il y a maintenant. C'est oui. Ça. Je crois que maintenant, peut-être la télévision et puis l'ordinateur, ça mobilise. Ça isole les gens. Les gens, oui, ça les isole. Ils ont tout chez eux, je crois qu'ils n'ont plus besoin du contact avec les autres. Avec les autres. C'est un peu dommage. D'accord. Mais enfin, on respectait quand même. Il paraît que maintenant, moi, je vois plus, mais Madame Martigas m'a dit que c'était affolant ce que les gens balançaient par la fenêtre. Je ne sais pas quelle est l'éducation de faire ça. Enfin, voilà. Et vous aimez toujours le bel horizon comme vous l'aimiez avant ? J'aime beaucoup ma vue. L'ambiance de la maison a changé. Ça, je suis obligée de reconnaître que l'ambiance a bien changé. J'ai l'impression que les gens se méfient les uns des autres, qu'il n'y a pas de raison, quoi, hein, mais que la maison a changé d'allure. Ça peut peut-être revenir. Hein.